Delphine, t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Je te cherche depuis tout à l'heure. Je fais des sapins. Des sapins? Ben oui, je vais en mettre partout, comme ça j'aurai plein de cadeaux. Faut faire des sapins pour avoir des cadeaux. Ben oui. Ah ben moi je veux que tu me montres comment on fait parce que moi j'en veux des cadeaux. Alors, regarde bien. Viens vers moi. Voilà. Alors, le petit morceau là, le petit bout là. En fait, mais qu'est-ce que t'as pris? C'est un vieux livre. Ah oui, il faut pas faire ça avec tous les livres, Ah sinon non, on va enfin, se faire pardon. fâcher, hein. Faut pas prendre le lit de chevet de maman, surtout pas. Hein. Alors, faut prendre un vieux livre. Faut enlever la couverture. La couverture, on n'en a pas besoin. Donc on enlève. On plie le petit morceau là. Le long. Comme ça. Il faut bien aller dans la rainure. Après, c'est facile comme tout, tu vas voir. On prie comme ça encore. La rainure. Et le petit bout qui dépasse. On plie. Tu vois comme c'est facile? Ouais, dis donc, fais voir une autre fois, là. Et le petit bout, comme ça, qui ne dépasse pas. Mais ça prend combien de temps pour faire ça? Ben, ouais, faut plier toutes les pages, quoi. Faut plier toutes les pages, ça prend un peu de temps, mais bon. Mais il est super beau, moi, ton sapin. Moi, je l'aime bien. Alors, celui-là, je l'ai fini et je l'ai décoré. Alors, on peut le décorer avec une petite guirlande, des petites plumes, du bolduc, des petites gommettes, des petites étoiles, enfin plein de choses quoi. Voilà. À bientôt Delphine. À bientôt.